Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode de mon aventure, ma carrière. Donc toujours avec Sunderland. Donc on va jouer contre Lincoln. Niveau bilan, on est à 9 buts et 14 passes D en 13 matchs, donc c'est pas dégueu. On est un petit peu plus passeur que buteur, même si c'est pas trop grave, hein, je trouve. Moi après, voilà. Niveau meilleur buteur du championnat, c'est nous, qui sommes en première position avec 9 buts, et pareil pour les passes décisives, 10 passes D en championnat. Donc vraiment pas mal, je suis assez content là-dessus. Dans cette vidéo, du coup, on va affronter dans un premier temps Lincoln à domicile. Ensuite, on ira à Accrington. Et enfin, on recevra Portsmouth. Donc, ce serait bien de gagner les trois cette fois-ci. Parce que c'est vrai que la victoire, c'est vraiment important. Vu qu'on veut viser le top 6, on va voir niveau classement. Regardez, on est dixième. Donc, il n'y a pas tant d'écart avec le sixième. C'est largement remontable. Lincoln, ils sont troisième. Donc, ça va être un vrai défi. C'est bien. On va voir comment ça va se passer en tout cas. Allez, les gars, c'est parti pour ce premier match face à Lincoln. C'est parti. Allez, allez, il faut la victoire. Attention, attention. Oh, mais non, mais pas maintenant. On va pas commencer dès la troisième minute. Comme d'hab, en défense passive, les gars. Et c'est dedans, malheureusement. Toujours le même but, j'ai l'impression de voir. Ça devient un petit peu saoulant. Il faut à chaque fois remonter. Jamais nous qui avons l'avantage directement. Première frappe, premier but. Ah là là, allez. Flight, il y a quelques années. Ouais, c'était essentiellement pendant les travaux de Ok, je suis seul. L'Angleterre a battu la Belgique 2-1 en amical en 99. En bas. Et la Turquie 2-0 pour le compte des éliminatoires du championnat Je suis là au centre. La volée, la volée. Yes, il fait du bien. Légalisation. Oh, on a bien joué le coup. Une touche vite jouée. Je l'ai demandé au centre et là j'arrache de près. On a bien retrouvé, j'ai demandé la balle, je savais que j'allais le mettre, il me la mettait. Et là, petit filet, ça fait du bien de mettre ce but. Allez, dixième but en plus en Ligue 1. On va empocher ce titre de meilleur buteur, j'espère, en plus de la montée. En haut. Fini. Non, dommage. Ouais, bien joué, t'es seul. Sur ces images, passer le milieu tu m'as vu en profondeur, j'y vais. Tu m'as vu. La fin de frappe pour dribble le gardien. Ça, c'est un but. Je dribble le gardien. Et eux marquent. Ah, yes. On va la revoir. La fin du frappe. La fin de deux frappes, pardon. Je ne sais même plus parler français. Et la frappe du gauche ensuite. Très bien joué. Allez, 2-1 les gars, on prend l'ascendant sur l'adversaire. Faut continuer comme ça et pas se prendre l'égalisation. Ils font tourner à la Allez, on l'a. Attention, non, 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 non. Oh, ben non, faut pas prendre l'égalisation les gars, j'ai dit. Putain, en plus. Oh, juste avant la mi-temps. Oh, on revenait bien là, on était bien dans le match. Comme d'habitude, on avait mal commencé, mais on s'était très bien repris. En marquant deux buts, mais il y a trop de trous dans la défense, c'est pas possible. Trop de trous. Il faut vraiment se ressaisir, les gars. 2-2, les gars, du coup, à la mi-temps, on va voir niveau stats, mais. Ouais, c'est assez équilibré, hein. Ils ont un petit peu plus de possession et de tir, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose, donc allez, on repart. Allez, on va le mettre ce troisième. Allez, allez. Magnifique cette passe. Allez. Je l'ai vu au second. Tu la mets? Non, pourquoi il tire pas? Tu es là. Ok, je suis seul. Attention, ça peut devenir intéressant. Dans le trou. Dans le trou. Dans le trou. Le troisième but. Allez, on reprend l'avantage de la 52e. Ça fait plaisir. Winchester qui reprend du service, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu casser des lignes. Je l'ai vu monter, j'ai pas hésité. On va revoir dans le trou, je l'ai mis au dernier moment vraiment pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et la frappe croisée parfaite
qui vient battre le gardien. C'est bien les gars, allez. Faudrait mettre nous le quatrième maintenant et pas se prendre le troisième. Allez, allez. Tu m'as vu. Allez, la balle du triplé. La fin des frappes. Je me mets sur mon pied gauche. Et la balle du triplé. 3 buts, une passe décisive dans ce match. On ne peut pas faire mieux, je pense. 66e minute. On met le quatrième but, il fallait. Pour vraiment creuser l'écart et... Et il fait du bien celui-là parce que c'est mon premier triplé et ça va me mettre en confiance, c'est bien. La fin de frappe parce que je savais que du droit j'allais louper. Et là j'enroule, pleine lucarne. C'est parfait les gars. Je pense que là, niveau meilleur buteur aussi, on est très bien. Et niveau classement pour le goal average, c'est super ce qu'on fait. Donc c'est parti, on va se finir ce match en beauté. Allez. Tu m'as vu? Allez pour le quadruplé. Le quadruplé, le quadruplé, magnifique. Eh ben, j'avais pas mis de triplé. Le quadruplé, encore mieux. C'est parfait. Je sais même plus quoi dire. C'est très bien ce qu'on fait. 5-2, quadruplé, une passe décisive. Il y a vraiment beaucoup de trous parce qu'ils tentent beaucoup de choses, je pense. Donc, c'est parfait. Hein. Nous, si on peut en mettre, on va en mettre et on va continuer d'en mettre jusqu'à la dernière seconde. Bien joué. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Je lui centre. Oh, dommage, il la sort. Tu l'as ? Dommage, les gars, dommage, dommage. Ça passe pas, les gars. Ça passe pas. Non, attention, la frappe. Oh non, ça va être dedans, ça. C'est dedans, 5-3. Dommage, hein, c'est un petit but, mais on va quand même faire attention, on sait jamais dans ce jeu. Et ouais, ils ont bien joué le coup, sinon, belle frappe et le gardien ne peut pas trop faire quelque chose. Je t'ai vu, tu l'as vu, allez, fini. Oh non, le poteau, putain. Cette distance, normalement, ça ne devrait pas pardonner. Ok, bon ben les gars, on finit avec un quadruplé, une passe décisive ce match, 5 buts à 3. Ça fait plaisir parce que on n'avait vraiment jamais gagné avec autant de buts, on va dire. Donc c'est bien, 10 de notes, hein, logique. Je vois pas ce qu'on aurait pu me donner de plus. Ok, ouais, ben, bon match hein, dans l'ensemble. Ok, l'entraîneur est très content. Ok, ok. Donc on va continuer tranquillement. Allez. Mais ouais, c'est vrai que c'est un match qui a du bon parce que on a tout fait comme il fallait. Et logiquement, on empoche la victoire avec. Donc on joue bien, on gagne. C'est ça le foot. On va voir ça. Ok. Jeffreys est parvenu à marquer lors de la victoire. Ok, je sais même pas quoi dans le play, mais c'est pas grave. Et du coup, les prochains qu'on affronte, c'est... à Quinton, on va juste voir combien ils sont au classement du coup. Donc ouais, nous 9e on a dit. Et à Quinton ils sont... Ah, sûrement dans les derniers là. Ok, ils sont 23e, mais comme d'habitude hein, les gars. Je pense que tous les matchs qu'on a perdu cette saison, c'est en partie à partir du 20e. Et on gagne les 3e, donc c'est assez étrange. Hein, donc on va faire très attention. Ok, je suis pas appelé en sélection, logique. Ah ouais, j'avais une offre de Salzbourg, les gars. Mais on va pas y aller, bien sûr. Je préfère rester à Sunderland et finir ma saison tranquillement. Et après, on verra pour les transferts. Mais je veux pas les abandonner en cours de saison. Je veux finir celle-là. On joue contre Accrington. Il joue à 5 défenseurs. Donc ouais, compliqué. On a vu les défenses à 5 cette saison. Donc on va voir comment ça va se passer. Allez. Allez, faut le gagner. 13 buts, bilan compétition 55. C'est quoi ça, bilan compétition? Je sais pas. Non, c'est pas grave. Ok, il pleut. Donc ça va être compliqué. Allez. Je suis chaud. Allez, allez, allez. Faut le gagner celui-là. Tu m'as vu pour l'une 2. Allez, j'y vais. J'y vais seul. Je la croise. Je la croise. Comme d'habitude, croiser, ça passe. Je fais pas la même erreur que je fais à chaque fois de la mettre premier poteau parce que c'est possible que ça passe pas, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ça passe en croisant. Donc,
Certes, on va faire ça. S'il faut le faire toute la saison pour monter, on le fera. En tout cas, là, ça paye. Ça fait du bien qu'on marque en premier, nous. Et on va essayer de tenir ce résultat et pas encaisser un but. Allez, les gars, c'est très bien ce qu'on fait. Je te la décale. Ouais, peut-être une situation intéressante. Oh, c'est bien fait ce que j'ai fait. Oh là là, que c'est bien fait. Là, la frappe. Un missile, il est envoyé en pleine lucarne. C'est parfait. Charlie Wake, les gars. Le dragback, on va le revoir parce qu'il est magnifique. Et je l'ai bien remis dans les meilleures conditions. Il avait juste à tirer. On va revoir ça. Il me la met. Le dragback, je lui mets. Et là, une frappe sublime. Qui vient battre le gardien, les gars, 2-0. On est très, 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 très bien. C'est parfait, on continue comme ça. Quelqu'un dessus. Tu m'as vu, super. Allez. Allez, je pousse. Je l'enroule. Je l'enroule juste avant la mi-temps. Le troisième but, le doublé et la passe décisive encore une fois. Je suis impliqué sur tous les buts de l'équipe, donc comme j'ai dit, hein, s'il faut faire ça pour qu'on gagne, je le ferai, il n'y a pas de problème. J'ai bien poussé la balle. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris le choix de croiser la petite enroulée, je savais qu'elle allait passer. C'est super. Allez, d'ailleurs, ben voilà, la rentrée au vestiaire. Il n'a pas fallu attendre très longtemps. 3-0, les gars. On est vraiment très, 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 très bien. On va voir niveau stats, mais je pense que franchement, on est pas mal. 4 tirs, 4 cadrés, 3 buts et 4 tirs de cadrés. Ils ont un petit peu plus de possession, mais ouais, comme je le répète dans chaque vidéo, notre jeu, nous, c'est surtout les contre-attaques, j'ai l'impression. Après le passage au et ça marche, donc tant mieux. Allez. Ah, c'est bien joué. Ah, il a du ballon, le bonhomme. Hein. Ok, je suis passé. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Bien joué, ce que je fais. La frappe. Oh, la tête, dommage. Oh, bien joué. J'ai dit la frappe alors qu'il a mis une tête, mais c'est pas grave. Très bien joué en deux temps. Elle nous revient dessus, donc nous, pas de chichi. On va la revoir. J'ai bien éliminé le défenseur, je l'ai mis là sa tête, qui est contrée par le gardien. Et par contre, la deuxième, il la loupe pas. Très bien fait de Aiden O'Brien. Non, on la contre, super gardien. Penalty. Mais il a frappé, l'avantage. Penalty. Putain, il n'y a pas faute. Applique le règlement à la lettre. Quoi ? Ah, pas content, le coach. Ah là là, FIFA, je le comprendrai jamais. Allez, gardien. Allez, gardien. Ouais. Barre rentrante, eh ben. Super. Allez, je passe entre les deux. Je passe entre les deux. Je croise. Eh oui, il a pas fallu attendre longtemps. Voilà, le cinquième but du match. Encore un triplé, on est déjà à 7 buts en 2 matchs, c'est un truc de fou. Je suis bien passé entre les deux défenseurs. Et le très beau but. Super. Je la tente. Ok, elle est magnifique ma passe. La tête encore mieux. Et le sixième but pour bien sceller l'écart. Le beau et la triangle. J'ai bien attendu le dernier moment. Et la tête magnifique. On va revoir ça parce que franchement, c'était une très belle action. On a fait une belle sortie de balle dans nos défenses jusqu'en attaque et ça a payé. Regardez. En plus du pied droit, le caviar que je lui mets. Papa, magnifique les gars. Ok, j'ai. Hop là, je suis là. Très bien. Magnifique. Attention, ça peut être dangereux. Oh là là, la belle passe. Tu peux finir. 7-1, mais c'est incroyable quand même. C'est hallucinant. Comme quoi, c'est pas parce que c'est les derniers cette fois-ci qu'on perdra. Magnifique. C'est une masterclass tout simplement ce qu'on fait. La passe qui est magnifique. Le défenseur qui a rien compris. Et la finition splendide. Très bien la sortie de balle, allez. Continue sa progression. Je te la joue. Tu peux la centrer. On l'a revolé. Oh là 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 là. Le 25e but pour moi cette saison. Magnifique.
quel centre et quel volet. J'avais tenté une retournée, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave, il a très bien fini quand même, mon joueur. Il s'est retourné, magnifique, c'est quand même une volée, petit filet opposé. Très très bien exécuté. 90e minute, mon 17e but en Ligue 1. 8-1, et ben, c'est hallucinant. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Et bien sûr, comme d'habitude, le ballon du match. 5 tirs, 4 buts. Magnifique. Très, 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 très belle performance. 10 de notes encore une fois. C'est majestueux ce qu'on a fait là. 8-1 quand même. Bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu abusé. Mais bon, je pense, enfin, en tout cas, j'espère pas que ça va être comme ça dans tous les matchs. Parce que c'est la difficulté maximum. Hein. Donc, je peux rien faire de plus. En tout cas, très bien. Très, très bien. On va faire nos entraînements. Ok, donc prochain match Portsmouth, le dernier match de cette vidéo les gars. Donc Portsmouth ils sont 5e, ok, nous on est 7e, on revient très très bien à une place du top 6 de ceux qui peuvent jouer la montée. Donc on va continuer sur cette voie parce que ça a l'air d'être la bonne. Allez, le dernier match contre Portsmouth. Ok. Donc 5e, je crois que j'ai dit qui c'était. Allez, contrôlez Jeffreys. Et c'est parti. Le dernier match de la vidéo. Ce serait bien qu'on finisse en beauté. Allez. Allez les gars, c'est l'équipe à gagner. Ils sont qu'à 2 places de plus que nous. Donc c'est eux qu'il faut faire tomber. Allez, concentré. On repart. Non, tu l'as, bien joué. Je t'ai vu. Tu m'as vu, je la croise. Oh là là, magnifique. La récupération chanceuse, mais après on joue très bien le coup. Le premier but de la rencontre, encore inscrit par moi-même. Parfait. On va la revoir. Donc j'ai perdu la balle, mais il a bien récupéré. Je l'ai demandé parce que je savais que je pouvais faire quelque chose. Et là, frappe croisée. Le gardien est battu. Super les gars, et on continue. Ok, il va siffler. Ok. 1-0 seulement à la mi-temps, mais je peux largement faire mieux. Mais bon, c'est pas grave, on va persister. Mais très bien sinon. Pas mal les commentaires de l'entraîneur. On va voir niveau d'état du match. Ouais, ils ont pas tiré une fois, mais attention parce que c'est souvent le premier tir quand c'est comme ça qui est dedans, tout simplement. Et je la joue en bas, il y a le champ libre. C'est assez intéressant. Tu peux me la remettre. Ok, je le feinte. Je la mets en retrait. Je la mets en retrait. Le poteau rentrant, la passe décisive. La fin de frappe qui a tué tout le monde. Oh là là, que c'est bien fait. Ça fait plaisir, le deuxième pour se mettre à l'abri. Magnifiquement fini en plus, donc on va revoir ça. Mais franchement, c'est très bien ce que j'ai fait là. Il m'a bien revu. La fin de frappe. Je la mets entre les deux et là, une finition incroyable. Impossible la mine. Magnifique. Allez, le 2-0 les gars, on continue comme ça. Super. Super. Allez, j'attends un petit peu. Ok, vas-y. Fini, hein. Finis-les. La finition au rendez-vous par contre pour les bots. Ça c'est vrai que on peut pas la reprocher aux autres joueurs qui finissent. Du coup, je le remets et c'est encore dedans. Je suis encore impliqué dans ce but. C'est magnifique. Les supporters sont en feu. La Ligue 1 est à nous. Allez. Magnifique. Très, très, très bien. Quelqu'un. Attention en bas. Attention dans l'axe. Gardien. Oh, dommage. Ok. Réduit le score. Comme dans les deux matchs précédents. Mais c'est pas grave. On garde l'ascendant. Allez, 3-1. Faut tenir, reste 5 minutes tranquillement. Allez. Le beau dégagement, allez, faut siffler, monsieur l'arbitre. Faut siffler. Masterclass cette vidéo, les gars. 3 victoires et les buts, je les ai même pas comptés. Je pense qu'on a 8 ou 9 buts en 3 matchs. C'est incroyable. Et les passes des aussi, attention, parce que c'est très important, faut pas les négliger. A chaque fois, 10 de notes, donc je pouvais pas rêver mieux dans cette vidéo. Nickel. Fallait s'imposer en plus à ce match, c'était un match à gagner et on l'a fait.
On va voir du coup ce que ça a changé au classement. Donc d'abord, on va juste faire les entraînements. Hop. Ok, les entraînements c'est fait. On va passer jusqu'au match pour vraiment bien que tout le monde joue leur match. Ok, encore une offre. Hein. C'est qui? Bournemouth. Ok, ok, je commence à attirer du monde, les gars. Bon, on va même pas rejeter. Je vais attendre, mais je vais pas accepter. J'ai dit que je finissais la saison ici. Je compte le faire. Ok, du coup, le classement, c'est où? Classement. Un petit point avant de se quitter. Nickel, on passe 5ème et on rentre dans ce top 6 tant convoité par les équipes. Ok. Devant nous, on a quand même Charlton, MK Dons, Blackpool et Peterborough qui perdent peu de matchs, j'ai l'impression. Ils sont quand même à 33 points. 10 points de plus que nous, donc ça va être difficile d'aller chercher. Après, par contre, les autres équipes, ça devrait le faire. Ils sont qu'à 2 points. Mais vraiment, ils s'envolent cette saison. Donc, je pense que ce sera l'équipe à battre cette saison. On va tout faire pour, en tout cas. Ensuite, niveau stade joueur. Meilleur buteur avec 18 buts en 13 matchs. Très, très, très bien. Je pense qu'on est bien lancé hein, pour avoir le titre. Et pareil pour les passes D. Je suis à 16 passes D. 16 passes D, pardon. Donc, c'est parfait niveau statistique. Et le calendrier, donc on va voir ça, les prochains matchs de la prochaine vidéo, ce sera contre Northampton, enfin on va voir le nom, j'ai vu qu'il était long, on va voir après. Donc à l'extérieur, on va se déplacer. Ensuite, on recevra Doncaster. Et enfin, on ira à Hull City, ok. Hull City, ouais c'est vrai que c'est une très bonne équipe, Hull City, c'est... C'est bizarre de les voir en Ligue 1, c'est pour ça que j'ai un petit peu bégayé, mais ok, on fera ce qu'il faut pour les battre. Donc ouais, le prochain match ce sera contre Northampton Town. On verra ce que ça va donner les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère que ça vous plaît. Ce format, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à me dire ce que je dois changer, ce que je fais trop, pas assez, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ça fera qu'améliorer les vidéos grâce à vos avis. C'est tout ce qui m'importe, vos avis. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo pour vraiment m'encourager parce que je vois beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo sans la liker. Donc, si vous pouvez faire ce petit geste en plus pour moi qui m'apporte beaucoup, ce serait parfait. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars. Et moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine.